PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Myron. Je vais t'interroger sur les 4 fantastiques. Donc je vais les nommer parce qu'on peut avoir une confusion, Cavani, Icardi. Mais là je parle d'Icardi, Neymar, Di Maria, Mbappé. Comment les trouves-tu ces derniers matchs? Bah écoute, super intéressant, c'est super de les voir pour la première fois titulaire. Je pense que Tuchel s'est osé un match de gala quelque part pour le tenter et... On peut lui reprocher pas mal de choses ces dernières fois, mais s'il y avait bien un match à le tenter, on va dire un match avec aller encore un petit peu d'enjeu, vu ce qui nous attend à Amiens et Le Mans, ça va pas être grand chose. C'était bien de l'avoir tenté là et je les ai trouvés très créatifs. Très créatifs, très généreux. Ça fait plaisir de les voir. Après, tu me connais, ma réserve c'est que faut aussi voir par rapport à l'adversaire qu'on avait en face qui était très faible ce soir. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être reconduit quand ça va être un peu plus compliqué? On va dire clairement, je parle des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors, je pense que ça peut être reconduit. Ce qui va être déterminant, c'est ce mois de janvier qui est un mois niveau football, qui n'est pas forcément le mois le plus intéressant, mais qui peut faire office en fait d'entraînement entre les Coupes de la Ligue, Coupe de France. Voilà, il faudrait que Tourelle il prenne un schéma de jeu et qui nous le mette en intensité. Alors soit il fait son 4-3-3, soit il veut jouer en 4-4-2, il veut changer, ok, mais qui nous propose des automatismes avec ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est des automatismes. On a critiqué il n'y a pas si longtemps ça, en fait, l'entrée de Neymar, l'entrée d'Mbappé. On disait non, finalement, c'était que Di Maria. Et là, on voit qu'en fait, quand on met ces gens-là ensemble, ils arrivent à être très bons. Mais parce que là, mine de rien, ça fait des 2-3 matchs qu'ils enchaînent. Di Maria, il revient en fait dans la compo. Mais on voit déjà que la mine commence à enchaîner des matchs. Et ça commence à être plaisant. Donc si en janvier, on arrive à être sur cette continuité, je pense que oui, ça peut être un schéma intéressant en 8e. D'accord. On va descendre de 2 crans. Je vais t'interroger sur la défense et parler de Levin Kurzawa. Qui fait, on va dire, un second. Allez, bon match, oui. Même si là, il entre en jeu. Est-ce que tu penses qu'il a un avenir au Paris Saint-Germain? Écoute. Moi, je suis quelqu'un de plutôt positif en général. Et Kurzawa, je l'ai mis à la cave. Mais aujourd'hui, il m'a fait plaisir. Et le dernier match aussi contre Galatasaray, il m'a fait plaisir. Donc, j'ai envie de lui laisser sa chance parce qu'il a montré des vraies belles choses. Offensivement, il a fait des centres qui étaient plus que corrects. J'ai vu que même techniquement, ses contrôles de balles, son positionnement était bon. Encore une fois, on a l'adversaire. Encore une fois, on joue à 10. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, même contre des adversaires pourris, il aurait été fantomatique. Donc, on a envie de lui donner sa chance, donc pourquoi pas? Pourquoi pas un avenir en tant que doubleur? Parce que je pense que pour l'instant il n'est pas devant Bernat, mais why not? Je vais t'interroger sur la formation. Pour toi, quelle est la meilleure formation au Paris Saint-Germain sur ce que tu as pu observer sur cette première partie de saison? Grosse question, grosse question. Alors j'ai envie de te dire que quand on a vraiment notre équipe au maximum, moi je reste pour l'instant partisan du 4-3-3. Le petit risque, c'est qu'il ne faudrait pas qu'un de nos milieux en fait, soit pas bon. Au-delà même des blessures, parce que là, les blessures, on n'en parle même pas. Mais quand on a Marquinhos, parce que pour l'instant, moi, je mets toujours Marquinhos au milieu. Marquinhos, Verratti et Gay. Si tu en as un en fait, qui est un peu en deçà, ça devient très, très compliqué. Donc, si notre équipe est toute patate, moi, ce 4-3-3 me va très bien. Même si le 4-4-2 aussi peut être plaisant s'il est bien réfléchi. Donc ce soir, on sait que le Paris Saint-Germain finira la première partie de saison champion d'automne. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Très content, très content. Alors on note quand même qu'on finit pas avec tant d'avance que ça, hein, parce qu'on a les mecs, là, les Voldemort là, qui sont pas loin derrière. Hein, ils sont quand même à 7 points, si je dis pas de bêtises. On a un match en retard, donc on pourrait les mettre à 10. Je suis content de notre prestation qu'on a fait en Ligue des Champions, qui est très plaisante, ça c'est clair. Après, voilà, il y a quand même des choses à corriger. Il y a quand même encore des choses qui sont pas bonnes en termes d'automatisme, en termes de blessures incessantes. J'ai envie, je le dis, je vais pas vrai. Je vais le répéter encore un peu, mais quand je vois encore le grand match que fait Neymar ce soir, quand je vois le grand match Mbappé, j'ai juste envie que ces deux joueurs-là aient des matchs ensemble. Ils ont dû jouer 4-5 matchs. Je me dis que s'ils prennent en intensité, on peut passer une année 2020 exceptionnelle avec Lamine en rajoutant Di Maria. On va kiffer. Franchement, on va kiffer. Merci à toi. Merci.